tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit Tactica Untamed Beast puisque ça m'a été demandé. Donc avant de faire les Nighthawks que je pense faire prochainement, on va faire les Untamed Beast. Alors je vais vous donner déjà quelques principes à voir sur cette bande. Il y a trois figurines majeures entre guillemets, donc, figurines qui vont être la comme il y a les plus utiles entre guillemets et à protéger dans la bande. Donc vous avez bien sûr le leader qui est très fort. Vous avez également le harponneur qui est très très important. Et enfin vous avez les lions, mais les lions sont beaucoup plus efficaces si vous avez le petit Beastmaster avec sa capacité double qui est le Belluaire qui permet de rajouter un mouvement de 4 et une attaque bonus supplémentaire au lion. Donc voilà, ce sont pour moi les 1, 2, 3, 4 figurines principales de la bande à ce jour. Voilà. Bien sûr, je ne parle pas des alliés. Alors, ensuite, maintenant, la composition, celle que j'ai vue au jour d'aujourd'hui, qui est la plus efficace, ou en tout cas des rapports que j'ai pu lire, c'est la composition qui est la suivante. C'est donc bien sûr le chef, deux lions, deux harponneurs. Un Belluaire, et si je me trompe pas, vous avez la place pour mettre un 55 derrière, et vous êtes donc à 7 figurines, si je me trompe pas dans ce que je vous ai dit. Voilà, donc 1, 3, 4, 5, 6 et 7 avec le 55. Voilà, exactement, c'était exactement cette composition là. Voilà, excusez-moi pour la caméra, je la remets droite. Voilà, ensuite vous avez une autre composition aussi qui est de prendre le parti de ne pas utiliser du tout les lions. Et de partir avec une base un peu similaire, mais donc avec le chef, deux harponneurs, oubliez les belluaires, et ensuite vous complétez avec les trois figurines, donc après au choix. Alors après je me souviens plus exactement le nombre, mais c'était la deuxième composition que j'ai vue qui, bon, paraissait un peu moins efficace au vu des résultats, mais qui était quand même très forte en termes de synergie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Alors, ce qui est donc, il faut prendre en compte que donc la bande, vous allez utiliser donc les lions pour agresser et les belluaires pour renforcer les attaques des lions, les harponneurs, ben, sur les objectifs, sur les assassinats cibles pour faire venir les cibles. Sur les lions, c'est très fort. Donc voilà les compositions que j'ai vues. Il faut savoir que les lions sont gros frappeurs, le harponneur aussi capable de frapper très fort, et les autres sont plus là pour contrôler le board, contrôler l'objectif. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est à peu près tout, je crois, pour les Untamed Beasts. Alors, sachant bien sûr que la composition que je vous ai donnée là part du principe que vous avez deux fois la bande, donc une fois dans la boîte de base, bien sûr, et une fois avec des figurines. Soit vous rachetez une bande à côté, soit vous voyez si vous avez une figurine qui est approchant, qui pourrait donc effectivement faire office de doublon pour les figurines qui vous manquent. Donc ça nécessite un peu d'investissement. Mais la bande, pour moi, reste très forte avec la première composition que je vous ai donnée. En tout cas, je l'ai vue à l'œuvre et je peux vous dire que mes Stormcast s'en souviennent encore. Voilà, et pourtant, c'était du jeu égal. Voilà, dernier petit mot. Alors là, je vais parler des Stormcast, donc ça ne vous intéressera pas forcément. Mais j'ai testé la composition cet après-midi des Stormcast avec un leader et 5 Greyhound. Et c'est très très fort également. Donc la composition que je jouais actuellement plus celle-ci. Donc sont deux compositions qui sont très fortes pour les Stormcast. Voilà. Donc c'était un petit mot par rapport au Tactica Stormcast cette fois-ci. J'ai terminé avec. Le Tactica Unbeast. N'hésitez pas à me donner vos compos si vous en aviez d'autres ou si vous en avez vu d'autres à l'œuvre. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et puis, alors, je pense sur les Nighthawks, mais si vous voulez une autre bande avant les Nighthawks, n'hésitez pas. Si je l'ai à disposition, je vous ferai ça, bien sûr. Ben écoutez, amusez-vous bien. À bientôt.